3. Alors, donc, plusieurs choses dans cette pièce. Je vois de ce côté à gauche de la porte un miroir, hein, on voit le sol qui est reflété, hein, si vous regardez bien, c'est les motifs du sol. Un miroir, mais qui est sale. À droite, l'armoire de secours, on va dire, il y a un extincteur, quelque chose en haut, et puis il y a une bouteille spray. Alors, ça avait pensé que peut-être pour nettoyer le miroir, ce serait vraiment bien. Un coffre avec un code à trouver. Il y a un bureau. Il y a également un code à entrer sur l'ordinateur afin de trouver un élément important. Je vois ici quelque chose qui ressemble à un morceau de marteau ou quelque chose, donc je vais en profiter pour le prendre. Et puis, pendant qu'on est dans ce coin-là, on voit au sol, là, entre les pieds de chaise, comme un manche. Donc je vais le prendre. Et puis je vais aller voir également de ce côté. J'ai pas été voir, c'est un fauteuil moderne, ça. Et dedans, je trouve une éponge. Eh bien, je vais la prendre également. Voilà. Donc la première chose que je vais faire, je vais assembler le manche avec la cognée du marteau. Voilà. Là, j'ai un marteau complet. Et ce serait peut-être bien pour briser cette vitre, parce que là, vous voyez, je ne peux pas l'ouvrir. Donc, je sélectionne mon marteau, je brise la vitre, et justement, eh bien, elle est brisée devant la bouteille spray. Donc, je la prends, et ça, c'est du nettoyant. Ce que je vais faire, je vais imbiber mon éponge avec ce produit. Je prends mon éponge avec le produit. Vous voyez, il y a une tache au milieu. L'éponge est imbibée de produit nettoyant. Je vais à mon miroir, je sélectionne mon éponge, et je frotte afin de nettoyer la tache. Et je vois un code. ABXS. ABXS. Souvenez-vous-en ou notez-le, comme je vous dis souvent, sur un petit morceau de papier. ABXS. Là, je vais à l'ordinateur. J'ai vu qu'il fallait tout à l'heure entrer un code. Donc, j'appuie dessus et je vais, par appui successif, indiquer ce code A, B, le X, bah, il y est déjà, et le S. Voilà. Donc le code est entré, c'est OK, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai un autre code, 8563. Et tout à l'heure, on a vu qu'ici, le coffre demandait un code. Donc, on va taper 8563. Voilà le 8. 5. Et le 3. Voilà, mon coffre est ouvert, j'y trouve une clé que je prends, je dézoome, je vais à ma porte d'entrée, je prends cette clé que je mets dans la serrure et je suis prêt à aller au niveau 4.